lecture est un extrait du livre d'Osée, dans lequel le prophète exprime l'invraisemblable tendresse de Dieu pour son peuple. Au chapitre 11, les versets 1, puis 3 et 4, puis 8 et 9. Avec le cantique d'Isaïe, chantons le Dieu qui nous sauve et qui est notre force. Le Christ révéla de Dieu, révélation de Dieu pour tous les hommes. Tel est l'enseignement de saint Paul, apôtre, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 8 à 12, puis 14 à 19. Écoutons avec attention. Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car je suis son Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux.